Donc voici le deuxième des trois derniers petits dioramas des magasins Action, toujours Craft & Co. Hein. Donc celui-là, c'est le Bookshop. Donc des livres à monter, sûrement. Enfin, je ne sais pas, je vais voir. Je le trouve assez sympa aussi, hein, comme le premier, comme tous les premiers d'ailleurs que j'avais fait. Donc on va vite regarder à l'intérieur. Voilà. Donc bien sûr, une notice. Toujours très bien expliqué, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Des petits meubles à monter, des livres à faire. Une de mes passions d'ailleurs, je pense, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi j'aime faire les livres. Tabouret, ah, de la peinture blanche, Berk. Ah oui, de la peinture blanche. Mais la bleue, je pense qu'elle doit couvrir. Il y a du marron, du bleu, ça doit couvrir, je pense. Par contre, bon, le blanc, bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est. On a carrément des blocs de livres. Bon, ça ira plus vite, ça fait gagner du temps, c'est vrai. Pour à peu près le même effet. Mais ouais, il y en a encore beaucoup à faire. Des meubles encore. Une très belle bibliothèque. Ah, les fameuses fleurs que j'aime pas faire. Je pense qu'il y en a presque dans quasiment tous. Donc bon, on s'y fait. Lampadaire. Ah, je pense qu'il y a une petite enceinte de musique. Je pense qu'il va être sympa à faire celui-là aussi. Donc on va regarder tout ça et bien sûr moi je commence toujours voilà par le plus gros. Ça élimine pas mal de bois et ça évite des fois les erreurs. Donc bon. Après c'est chacun fait un peu. Il y a des personnes qui préfèrent commencer par les petites choses. Moi j'aime bien faire les l'ossature, les meubles, et après je fais la décoration que je mets au fur et à mesure dedans. Il y a pas mal de pages, il y a beaucoup plus de pages que dans. Ouais, il y a pas mal de pages, donc je pense qu'il y a du travail aussi à faire dans celui-là. Donc là, vous avez ça, c'est le lampadaire, de l'herbe normale, des petites fleurs, donc tout à fait normal. Les piles, est-ce qu'il y a un bouton? Ah ouais, ah, je pense qu'ils vont le faire sur tous maintenant. Peut-être qu'à force de le dire, ils nous ont écouté de mettre un interrupteur ici et pas sur le boîtier qu'il faut essayer de ressortir et tout, parce que franchement, ça c'était pas pratique. Donc impeccable. Et combien de lampes? Une, deux. Et deux, il y en a une grosse là. Voilà, deux. Je pensais qu'il y en avait plus. Apparemment que deux. Bien. Alors, le fameux pinceau. Franchement, c'est pas la peine de s'en servir. Déjà parce qu'ils perdent leurs poils, donc quand vous faites de la peinture, il y a, voilà, regardez, il y a tous les poils qui sont bons. Donc après, vous avez un truc qui est pas vraiment propre, et ça, c'est pas mon truc à moi. Donc il vous suffit d'investir hein, sur Amazon, vous avez ce genre de pinceau, ça vaut pas grand-chose, vous en avez plusieurs tailles, et franchement, ça fait du bon travail. Oups, j'ai cassé un truc, je crois. Non, je sais pas. Voilà. Non mais c'est pas grave. Donc oui, il y a quand même beaucoup de bois, je trouve. Ça c'est parti. Donc peut-être qu'il sera un peu plus long à faire. Un tout petit bout là, qu'il faut pas perdre. Ce genre de petits morceaux là comme ça, là, je sais pas trop. Je sais pas. Peut-être. Non, je sais pas à quoi ça sert, mais ça c'est le plus souvent, c'est le genre de truc qu'on perd. Ah, le fameux lierre à mettre. Bon, maintenant j'ai trouvé la technique. Les fleurs. Ça, je sais pas. On va le garder de côté parce que si c'est dedans. Et tout le bois avec les vitres et tout. Ok, enfin les vitres. Ensuite, nous avons la découpe. Il est coincé. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils arrivent tout à mettre à plat. Et franchement, ça c'est bien parce que ça évite d'avoir des feuilles qui sont
complètement comme ça, gondolé, et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah voilà, les fameux blocs de livres à faire, ça va très vite. Du faux mur, c'est le premier que je fais comme ça, avec un genre faux mur. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc un parquet avec un sol pavé. Joli encore, hein. Mur en briques. J'aimerais bien aller voir où sont les livres. Ah voilà. Ah là, les livres, il y en a. Là aussi. Alors ça, c'est le pliage accordéon, ça va aussi très vite. Il faut juste pas se tromper de sens. Sinon, ça va pas. Donc ça, voilà, c'est des choses aussi qu'on peut faire en premier parce que ça va très vite. Ça aussi. Donc le plus long, je pense que c'est le découpage, hein. Après, il faut juste plier les choses. Certaines choses vont assez vite. Après, il y a beaucoup de montage avec le bois apparemment. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est l'ossature en premier, comme je l'ai dit. Donc en principal, voilà ça. En principal, je vais faire ce gros bloc là. Comme ça m'élimine, comme j'ai dit, des planches. Je vais aussi faire ça parce que finalement ça va très vite, donc ça élimine des feuilles, des pages, et ça fait moins de bazar au milieu. Voilà, et pensez bien sûr à faire les peintures en premier sur les planches, que c'est beaucoup plus pratique. Voilà.